Petite vidéo pour expliquer comment jouer à New Super Mario Bros. Sur Nintendo DS. Alors, la Nintendo DS ici a le jeu, qu'on voit ici. Sur cette console, pas de jeu. Je vais lancer tout de suite le téléchargement DS, qui ne se fera pas de toute façon parce que je n'ai pas activé le wifi, la connexion sans fil sur cette console. Donc, je vais dans les options, communication sans fil, je fais activer. Ok, donc là c'est bon. Je retourne sur le menu, je lance le jeu. Je vais aller, il y a plusieurs possibilités pour lancer le jeu multijoueur. Il y a plusieurs modes, il y a mini-jeu. Moi je vais lancer simplement Mario contre Luigi. Il serait possible de réunir 4 consoles. J'ai que 2 DS, donc je vais réunir ces 2 DS-ci. Une sans la carte, une avec la carte. Donc là, il est marqué jouer contre quelqu'un ayant New Super Mario Bros. Jouer contre quelqu'un n'ayant pas New Super Mario Bros. Donc nous cliquons sur celle-ci. Je vais prendre Mario. Je vais mettre la console en face. Ah bah, le jeu a été trouvé. Donc je clique sur oui. Téléchargement. Donc là, c'est bon, je clique sur oui aussi. Veuillez patienter. Alors là, ça nous indique que c'est bon, ça se charge. Il y a une petite animation pendant le chargement. C'est pareil de l'autre côté, sauf que là c'est Luigi et ici c'est Mario. Ce voyant ici, c'est pour montrer que le sans-fil est activé. Donc il faut attendre environ 30 secondes pour que ça se télécharge sur l'autre console qui n'a pas la carte. Donc ça, c'est bon. Je vais remettre les deux consoles côte à côte. Je vais plutôt faire comme ça. Donc la console qui a la carte doit choisir. Et donc là, c'est bon. Sur les deux consoles, on voit les deux joueurs. Voilà.